Alors Marseillan, du coup, félicitations déjà parce que c'est un événement, un vrai spectacle. Plus de 20 artistes sur scène. C'était en janvier 2015. Du coup, en plus diversifié, il y a des chanteurs, des acteurs, des musiciens. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et les valeurs également que tu souhaites véhiculer en fait avec Marseillan, parce qu'il y a une vraie, il y a une notion d'unité en fait, de rassemblement, d'apaisement aussi, et ça reflète bien la ville de Marseille. Parle bien, hein, putain, j'ai plus grand chose à dire. Mais ouais, c'est ça, tu as tout dit. J'ai créé. Un matin, je me suis levé, c'est le verbe marseillais. On fait chercher un titre au spectacle. Je Marseille, tu Marseille, il Marseille, nous Marseillons. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas forcément, comme dit l'auteur, Marseille n'est pas une capitale phocéenne, c'est une civilisation. C'est-à-dire qu'un mythe est créé à partir d'une chose particulière. Tous les grands mythes sont créés à partir d'une... Le mythe est fait pour parler au plus grand nombre, pour rassembler des gens qui ont la même conscience d'une même chose, ou même, ça peut aller jusqu'à une religion, mais une foi, une croyance. Mais ça part d'une chose très particulière. C'est ça le principe de cet auteur-là, et de parler de Marseille. Mais marseillais, c'est fédérer, c'est être ensemble, c'est, comme tu as dit, se rassembler. Et moi, ce que je voulais, c'était rassembler, essayer de faire un pied de nez, non, parce qu'il n'y a pas de message dans ce truc-là. Mais c'est vrai que notre métier, le métier, il est très catalogué par les gens. Tu fais de la comédie, tu es un acteur de tragédie, ou tu es un acteur dramatique. C'est cloisonné, ouais. Ouais, ou tu es blond ou brun, ou tu es grand ou gros, et où tu es... Les Américains, c'est très différent. Je parle de cinéma, là. Et donc, on est très cloisonné par qui ? Par soit des producteurs, soit des directeurs de théâtre. Mais le spectateur, il a payé son billet 10 euros, il a soit son cul sur un fauteuil, ça s'éteint, il regarde et il se laisse embarquer. Ça lui plaît ou ça lui plaît. Le vrai juge, c'est le spectateur. Le spectateur, il se dit pas, celui-là, il me fait rire ou celui-là, il me fait pleurer. Celui-là, il est grand ou celui-là, il est petit. Celui-là, il est noir ou celui-là, il est blanc ou celui-là, il est... Non. Le spectateur, il s'assoit, il écoute une histoire qu'on lui raconte. Il se marre quand ça le fait marrer, il pleure quand ça le fait pleurer. Ça lui raconte sa vie ou ça lui raconte la vie de son voisin. Et puis voilà. Et nous, tu peux pas faire du rap si tu fais du lyrique. Tu peux pas faire, ce qui était le cas de la chanteuse lyrique qui est venue en Marseillan, qui m'a dit, je ne peux pas, Cyril, on a fait un titre avec Faf Larage et Sébastien Damiani, extraordinaire. C'est une chanson, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Elle m'a dit, si je fais ça, je suis grillé dans l'opéra. Elle m'a dit, au bout d'un moment, je vais le faire. Et finalement, voilà. Donc celui qui fait, soi-disant, Titoff ne pourrait pas jouer avec Simon Abkarian, parce que Titoff, il fait du one-man show, alors que Simon Abkarian, il fait un James Bond et il fait du cinéma du monde entier. Mais tout ça, c'est faux. Ces gens-là se sont tapés dans la main, se sont retrouvés sur scène, se sont regardés, se sont écoutés, se sont devenus très bons partenaires. Et celui qui fait du jazz s'est retrouvé avec celui qui fait du ragamuffin, enfin avec les Massilia Sound System. Le chanteur de Aston Villa a joué avec... Levon Minassian a fait, qui fait du douk-douk, un instrument traditionnel arménien, mais qui joue avec Peter Gabriel avec Sting. S'est retrouvé avec un... Enfin bref, voilà. Moi, c'est ça que je veux faire avec ce truc-là. Alors, à la base, en particulier avec des gens de chez nous, inscrits chez nous, c'est-à-dire ou habitants chez nous, ou développant quelque chose à Marseille de particulier, un coup de cœur, ou voilà. Ou avec des Marseillais en particulier, de naissance, ou de cœur, voilà. Mais cette année, je voudrais essayer d'inviter... J'ai tourné là avec Philippe Duquesne, qui est acteur des chiens, là, enfin à la base des chiens, qui est un acteur extraordinaire. Et qui est lillois, en fait, qui est ch'ti. Et que j'ai dit, bah tiens, on est à Marseille, peut-être le plus opposé avec ces Lille. Et j'ai dit, bah écoute, si tu veux, tu viendras dans le spectacle. Et Lise Moon m'a dit, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, cette affaire-là. Donc en fait, c'est pas... Ouvrir un peu, en fait, ouais, finalement. Ouais, il faut ouvrir à tout et à tout le monde. Alors après, on ne peut pas avoir tout le monde. C'est compliqué parce que les calendriers des gens, et puis surtout des jeunes, et puis des gens qui ont encore rien fait, pas forcément des gens connus, hein. Donc on cherche une actrice, un couple d'acteurs de 17 ans ou 18 ans. Voilà, mais bon, c'est très compliqué parce que, en fait, tous ces gens-là, au départ, sont venus gratuits. C'est ça qui a été extraordinaire, hein, c'est qu'ils sont venus, ils m'ont dit, écoute, Cyril, ok, on va le venir, on va le faire. On y a perdu la tête, moi j'ai perdu un peu la santé aussi, parce que c'était très compliqué. Mais on l'a fait, quoi, et les gens, et en fait, le spectacle, les Marseillais, c'était à l'Odéon, sur la Canebière. En fait, on a un peu la velléité avec les partenaires des collectivités, là. On a la personne de Sabine Bernasconi qui a vraiment envie de réhabiliter l'Odéon sur la Canebière. En fait, qui voudrait faire une espèce de Broadway, quoi, de l'Odéon.
parce qu'on a ces croisières, on a des gens du monde entier qui viennent à Marseille. Il n'y a pas de spectacle qui représenterait Marseille. Et peut-être qu'on voudrait, au fil des années, inscrire ce Marseillon-là, peut-être comme un... la grande époque des années 30 avec Montand, tout ça, tu sais, qui avait la revue, ce qu'on appelait la revue, qui en fait, si on regarde bien, moi je ne savais pas, c'est Papé Djali qui m'a dit ça des Massilia. En fait, les grands directeurs de revue de l'Alcazar au début, des années 30, sont devenus les grands directeurs de revue à Pigalle, etc. Donc les premiers directeurs de revue à Pigalle sont des Marseillais qui ont importé cette, ce savoir-faire du... tu avais le chanteur, ce qu'on appelait le tour de chant, l'acteur, l'illusionniste, le, tu vois. Ça, c'est magnifique. Voilà. Donc moi, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est centré autour d'un auteur, puisque moi, je travaille quand même beaucoup avec des auteurs. C'est un peu mon karma. Hein. J'ai toujours tiré... un livre de ma bibliothèque, que ce soit Nietzsche, Bukowski, Morozek, mais des auteurs russes et des auteurs français. Bon, là, j'ai la chance de travailler avec un auteur vivant, ce qui est pour un acteur, mais Artaud aussi. Donc, des auteurs classiques, Shakespeare, Feydeau, voilà. Et là, j'ai trouvé cet auteur qui est vivant, qui pour moi était vraiment un génie. Peut-être qu'il y aura une statue dans 50 ans à Marseille, qui t'en sort, mais... et qui écrit pour nous, en fait. Donc là, il a écrit le texte du prochain spectacle qu'on va éditer. Donc en fait, je suis très fier parce qu'on va éditer le livre de ce prochain auteur. Et on sort aussi un titre qui s'appelle Marseillon, ouais, qu'a composé La Rage et Damiani, okay, qui est très, voilà, fin qu'on sort, là, qu'on enregistre la semaine prochaine, et qui sortira pour l'été. Voilà, c'est tout ça, Marseillon, quoi. Donc il faut des financements importants. Et si on les a, ben, plus pour répondre à ta question de base, au plus on aura, ça sera financé à la hauteur de ce qu'on peut faire, au plus il y aura de monde sur scène, voilà. Sinon je serai tout seul s'il n'y a pas d'argent. Bah, l'édition 2 bientôt, on dit fin 2016. Ouais, 9, hein, 10 ça. Et 11 décembre 2016, okay. Rendez-vous sur marseillon.fr pour savoir tout ça. Très bien. Alors Cyril, aujourd'hui, t'as envie de quoi pour ta carrière d'acteur finalement? C'est quoi les challenges qui t'anime, et aujourd'hui on est le 21 mai 2016, ouais. Et si je te dis, si tu regardes devant toi, t'as envie de quoi maintenant pour ta carrière? Quels sont tes projets à venir? Vers quelle direction tu souhaites aller? Puisque ta vie, en fait, ça a été que de... t'as cherché l'accident et la surprise, en fait, ouais, tout le temps, à la fois photographe, ensuite ouais, acteur, les planches, le théâtre, le cinéma. Et aujourd'hui, là, t'en es où? Bah aujourd'hui, depuis que j'ai eu mon premier enfant, en fait, mon métier, il a changé parce que je faisais des trucs, pour revenir à ce truc de solitude, là. En fait, quand mon fils qui est né, qui me regardait comme ça, en fait, c'est un petit bébé, tu vois, t'es un petit bébé qui te regarde comme ça, qui te dit, mais qu'est-ce que tu fous dans ta vie, quoi, en gros. Et ça a changé, parce qu'en fait, maintenant, tout ce que je le fais pour mes enfants, pour ma famille, pour ma femme, c'est-à-dire que c'est un truc de famille, voilà. Et j'ai eu la chance que cette histoire de famille se regroupe avec des metteurs en scène qui sont devenus mes amis, avec qui je retourne, donc... Voilà, que ce soit Schoendorfer, que Frédéric, que ce soit là Philippe de Chevron, et on sort un film là le 13 juillet qui s'appelle Débarquement immédiat. Et c'est mon cinquième film avec Philippe. Là, j'en fais un à partir de la fin du mois avec lui, qui s'appelle Bras ouverts, avec Christian Clavier, Harry Habitant et Zazie Berstein. Voilà, c'est mon cinquième film avec Philippe de Chevron. J'ai fait L'amour aux trousses, Les deux du Cobu, Débarquement immédiat. Là, on va faire celui-là. Donc, c'est des... Et puis mes amis autour, auteurs ou... Voilà, donc mon souhait, c'est que ça continue, ça, que la famille grandisse. Je me retrouve avec ces gens que j'aime et que j'ai envie de retourner. Mmh. Tu vois, moi, je suis à cette époque-là de Dino Rizzi, qui a tourné, je sais pas combien de films avec Gassman, avec... tu vois, ces familles-là de metteurs en scène qui changent les personnages avec le même acteur. Enfin, c'est extraordinaire, ça, parce que tu rentres dans une particularité à chaque fois et tu connais... tu sais que le mec va te demander ça, lui, il croit que tu vas faire tel geste, mmh, mais en fait, tout le monde se surprend. Et bah, c'est fabuleux, ça. Et puis évidemment, connaître, tu vois, des metteurs en scène au quotidien, que ça dure donc le plus longtemps possible pour mes enfants et pour la famille, c'est-à-dire que je sois un Bouquet ou un, je sais pas moi, ou un Dussolier ou un Rochefort ou machin, c'est-à-dire que je sois au théâtre à 90 ans. Là, j'ai joué au théâtre avec Judith Magre, qui a 89 ans. Tous les jours, j'allais la porter sur scène. On faisait cette pièce de Simon Abkarian, on allait l'amener, on lui tenait la main, parce qu'elle a encore une panique. Et je lui dis, tu vois, elle pèse 35 kilos, elle ne vit que pour ça. C'est-à-dire que si elle s'arrête de jouer, cette femme, elle meurt, elle te le dit. Si elle s'arrête de jouer un mois au théâtre,
elle meurt, quoi. C'est fabuleux. Donc elle est nourrie uniquement par son... Bon, elle, elle a que ça. Moi, c'est aussi une vie de famille. Ce serait aussi aller à la campagne, voyager, connaître mes petits-enfants, voilà. Mais donc, aller le plus loin possible, en famille, avec mes amis, metteurs en scène, tout ça, et puis connaître des gens. Tu vois, hier, j'ai vu le film de Sean Penn. Dedans, il y a Jean Reno. Il y a deux acteurs français dans le film de Sean Penn. Tu vois, il y a cet acteur, ce Javier Bardem, extraordinaire. Cette actrice extraordinaire. Et... Mais il y a Adèle et il y a Jean Reno, tu vois, dans le film. Donc je pense que des metteurs en scène étrangers. Parce que ça t'intéresserait alors du coup de tourner avec les Américains là. Coréens, je les connais, je me souviens jamais moi de ces metteurs en scène coréens de polar là, toi tu dois les connaître, mais tu sais celui qui a fait la trilogie, ou Memory s'appelle, je sais plus, c'est polar, très noir là, c'est les mecs, c'est des fabricants de films, mais c'est de la bombe atomique ces mecs là, nous on te parle encore de, j'ai rien contre Régis Varnier si tu veux, mais bon, ces mecs, on a des metteurs en scène à travers le monde, que il faudrait 10 vies pour les connaître, si j'ai la chance de pouvoir tourner avec un chinois, un coréen, un espagnol, un argentin, il y a ce cinéma argentin, là, jeune espagnol. Ça serait, je rêve, j'aspire qu'à ça, quoi. Donc, il t'emmènerait en fait à sortir encore plus de ta zone de confort, de ce qu'on peut te proposer en France, et de recréer ce fameux accident à chaque fois, quoi, et de prendre du plaisir aussi en le faisant. Quoi. Moi, je suis dans cette école que, si tu veux, un acteur, il est juste au service d'un. C'est un chewing-gum, quoi. C'est juste, il ne faut pas croire, hein, un acteur. C'est pour ça que j'aime bien ce truc de séro, tu vois, ça sert à rien. C'est-à-dire, ça veut dire, ça veut tout dire et rien dire. Ça sert à rien, ça sert à tout. Tu vois, elle veut aussi dire ça, la phrase. C'est-à-dire que il est juste au service, tu vois, les grands acteurs comme les Belmondo, tu vois, le mec qui soit passé de Godard à Georges Lautner dans une carrière, tu vois, que le mec ait pu faire à bout de souffle. Quand tu le vois d'à bout de souffle au professionnel, je crois que c'est Lautner aussi qui a fait le professionnel, ouais. C'est des cinémas qui n'ont rien à voir. Mais le mec, tu vois que, bien sûr qu'il s'est entretenu, il était sportif, il a fait ci, il a fait ça. Mais je veux dire, on l'a vu parce qu'il faisait... c'est comme le Ventura qui était catcheur, tu vois, qui se retrouve... Bon, c'est des acteurs... c'est comme Beckett, tu vois, Samuel Beckett. C'est-à-dire, il y a eu ce numéro spécial de Libération sur les auteurs, dont la phrase était, ils ont demandé à, je ne sais plus combien, 50 auteurs à travers le monde... Pourquoi écrivez-vous? Tu vois, c'était ça le. Ils avaient sorti un numéro spécial énorme, Libération. Pourquoi écrivez-vous? Avec donc une colonne, une page dédiée. Samuel Beckett, bon qu'à ça, il a dit. C'est tout. Après, il y a des auteurs qui ont écrit des pages. Il y avait 2-3 pages pour s'exprimer dans Libération. Qu'est-ce que c'est la littérature? Pourquoi j'écris? Bon qu'à ça. Voilà, c'est d'autres. Un acteur, ça sert à rien, il te dit. C'est-à-dire, ben, c'est juste que tu as un metteur en scène où tu rentres dans une histoire, tu as des partenaires, aussi comme il dit, comment il s'appelle, merde, c'est un de mes acteurs, merde, qui ce film qu'il a fait avec Sean Connery, le roi, l'acteur qui fait le Michael Caine, merci, Batman. Michael Caine, il dit un acteur, c'est 3 trucs. Le regard, il dit, c'est juste le regard. La caméra, il dit, ça doit être ton meilleur ami. C'est comme, par exemple, mettons, il y a une bagarre. Tu sais que tu es avec ton meilleur ami. Tu sais que tu peux aller te friter. Même si tu n'es pas courageux, même si tu ne sais pas te battre, tu peux aller te battre. Parce que tu sais qu'il y a ton meilleur ami. Pas que tu... Que quelque part, tu vas être protégé. Même s'il ne se bat pas. Tu vas y aller parce que tu sais qu'il y a... Il dit, la caméra, c'est ça. Ça doit être ton meilleur ami. C'est-à-dire que... C'est pas un truc, il faut avoir peur, tout. Non, voilà, c'est un allié. Faut l'apprivoiser en fait. Voilà. Mais après tu l'oublies. Et ton partenaire. Parce que tu joues avec quelqu'un. Voilà, c'est ça. Si tu as ces 3 perceptions de ces 3 choses, si tu as la perception de ces 3 choses, tu peux jouer. Tu sais jouer. Voilà, donc. C'est un abandon, quoi. Au cours du temps, c'est pour ça qu'on dit pour les acteurs. Quand tu as un peu de poils sous les bras, un homme quoi, à 50 ans, c'est-à-dire que tu as vécu un peu des choses, des émotions. C'est pas faux ce truc-là, parce que tu as des acteurs qui ont été, regarde Benoît Magimel, le mec, ça a démarré, je sais pas quel âge il avait là. La vie est un long fleuve tranquille, je crois.
il était tout jeune, tu vois, Benoît. C'était pas un acteur comme ça qui a démarré. Ils ont regardé, je sais pas, comment Brigitte Fossé. Ils ont... Mais bon, aussi, à la fois, c'est vrai que cette l'apprentissage de la vie et l'apprentissage du jeu aussi. Donc c'est vrai que plus tu vas avancer, c'est un abandon, je dis ça, parce que tu t'abandonnes, si tu arrives à un peu composer avec ces deux trucs-là, t'abandonner dans la vie, aux difficultés, aux complications de la vie, tu vois, la souffrance, les maladies, les peines, les joies, enfin... Et si tu as la chance de pouvoir exercer ton métier en avançant, normalement... Si tu sais apprivoiser ce truc de t'abandonner, tu dois pouvoir jouer n'importe quel rôle qu'on te propose. Et une dernière question, quel conseil tu donnerais à un jeune en fait qui va écouter cette interview, qui va la voir et qui a envie de se lancer dans le métier d'acteur, un peu comme toi quand tu as commencé, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Rapidement, en quelques mots, sans tomber dans le côté conseil, tu vois, le côté chiant, mais juste simplement... Moi je dirais un truc pratique. Ce que voilà. Je dirais à mon gosse, ou je dirais un truc, pas un truc de. Pas un truc de. Technique, je dirais un truc pratique. C'est-à-dire, je pense que. Pour arriver à essayer de pratiquer le plus possible, et que la vie te donne la chance de pratiquer le plus possible, c'est-à-dire sans souffrir, je dirais d'avoir un deuxième métier. Voilà. Il faut avoir un deuxième métier. Faire que l'acteur, ou que l'écrivain, ou que le... Les écrivains, c'est différent, c'est des... ils sont tout seuls, toute la journée, ils écrivent. Malheureusement, ou bien heureusement, ce truc d'acteur, il faut être plusieurs. Tu vois, tu peux faire tout seul sur scène, mais il te faut quand même du public, il te faut des metteurs en scène, il te faut de l'argent, un producteur, il te faut un théâtre ou un plateau de cinéma, tu vois, donc tu peux pas faire tout seul. Un peintre, tu peux écrire, un auteur, tu peux écrire tout seul. Donc, comme c'est compliqué, qu'il n'y a pas beaucoup de production et pas beaucoup de choses, il vaut mieux avoir un deuxième métier, serveur, avoir un restaurant, être avocat, être... Et à côté de ça, de temps en temps, tu commences à faire l'acteur, tu regardes, et puis si tu as la chance de pouvoir passer de l'autre côté, voilà. Mais si tu te lâches des deux mains comme ça, tu vas peut-être souffrir, jamais travailler. Tu vas être tout seul dans ta maison, sous ta couette, à attendre que ça arrive. Tu vas être au tributaire des gens qui t'emploient, de passer des castings. Et si ça que cette forme-là, ça peut être redoutable, hein, parce que c'est redoutablement difficile et dur, quoi. Donc si tu as un deuxième métier où tu loues des bateaux, non mais tu fais des... il faut être passionné. Et si tu es passionné, tu peux faire autre chose. Voilà. Merci Cyril. Yes, merci Alexandre.